Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue à nos rendez-vous dossiers, nos rendez-vous du mercredi soir. Aujourd'hui, nous proposons le Smart Agriculture, un terme simple qui peut-être veut dire servir moins de produits chimiques, moins de pesticides, mais qui implique beaucoup quelque chose qui nous peut trouver aujourd'hui dans ce dossier-là. Donc, nous trouver dans une récente étude, qui montre qu'il y a des légumes, des fruits qui nous peuvent consommer dans une concentration trop élevée de produits chimiques qui sont capables de danger pour nous, pour nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer, nous résoudre cette situation-là. Nous proposons au Smart Agriculture, avec nous ce soir, l'invité Jacqueline Sauzier, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture. Jacqueline Sauzier, bienvenue à l'ONU Plateau. Bonsoir. Alors, c'est quoi Smart Agriculture? Smart Agriculture, il y a un concept que la Chambre d'agriculture est de mettre en place depuis à peu près 2 ans, où nous avons envie de répondre à nos besoins consommateurs et à nos besoins de nos membres de la Chambre d'agriculture. Ce besoin-là, c'est de produire des légumes sains pour satisfaire les besoins consommateurs, mais aussi produire des légumes dans une qualité qui est des producteurs eux-mêmes pour capables de gagner la vie. Donc, nous disons nous devons réduire l'utilisation de produits chimiques, nous devons contrôler l'utilisation de produits chimiques. Comme ça, nous arrivons avec un légume sain et nous pouvons répondre à une demande consommateur. Ah ben justement, qui ban consommateur pensé à ce sujet-là? Est-ce qu'ils ont pu manger? Qu'ils ont pensé de là? Est-ce qu'il y a des fois beaucoup de sel dans ce qu'ils ont mangé? Un reportage qui Jim Lamoura vient de le faire. Nous guider qui ban consommateur pensé de là? Est-ce qu'on conscient qu'on va acheter aux légumes et n'a beaucoup de pesticides dans les légumes là selon vous? Oui, bien sûr, mais pas qu'à faire tout le monde. C'est tout mauvais état rien. Vous allez prendre l'eau là, hein? Mais qui vous fait? Nous lave-les bien, ban bois dans le mettre en pied avant de manger. Mais seulement, toujours problème là, tu viens prendre un. En fait, tu viens réaliser qu'il vient mettre moins de pesticides, tu vois, changer. Pas mettre de pesticides, mettre des affaires bio, des affaires naturelles. Et si vous proposez un légume au marché qui est bio et un petit peu plus cher, est-ce qu'il va acheter? Il est capable, mais parfois, s'il est trop cher aussi, il est difficile. Mais vous avez ça qui est un pesticide là. Il est prédominant, qui beaucoup de gens peuvent gagner un cancer par rapport avec ce légume qui peut. Là. Nous trouvons, nous connaissons les pesticides, nous connaissons les affaires, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons manger. L'important, c'est pour remplir ventre, pour nous capables de vivre, c'est tout. Mais en tant que parent, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a ça? Oui, mais normalement, il y a même ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne connaissons pas du monde qui planté, qui peut mettre, qui ne peut pas mettre. Si vous avez un légume qui proposé au marché, qui paye dans ce pesticide-là, mais il y a un peu plus, est-ce qu'il peut acheter lui? Normalement. Côté la santé. Oui, oui, nous conscients. Parce qu'effectivement, un légume, c'est sûr qu'il y a un pesticide pour faire plus vite et tout. Ben, pas le choix, quoi. Mais si par exemple, au marché, propose un légume qui paye un pesticide, mais un peu plus cher, est-ce qu'il pense-t-il? Mais ça dépend, cher comment. S'il y a une chair, un peu comme si un prix assez abordable, capable que pour la santé. Mais s'il est trop excessif, dans ce cas-là, non. Obligé à se. Oui, mais on pas faire autrement. Vous prend. Mais qui ne vous fait ça est maintenant, nous besoin manger. Qui ne vous fait mais si vous mangez, mettez un autre légume, il y a un petit peu plus cher, mais il y a un pesticide. Vous pensez? Oui, c'est bien bon. C'est bon, et puis meilleur pour nous-mêmes, nous avons la santé. Un légume bien frais, c'est qu'il met beaucoup de pesticides. Si vous tournez un bébé, c'est que vous connaissez Yalfi. 100%. Mais malgré ça, vous avez quand même. Mais qu'est-ce pour faire? Dans ce moins? Parce que nous aimons les légumes. Mais si vous proposez un légume qui paye un pesticide, mais un petit peu plus cher, vous passez? Un petit peu plus cher? Oui, vous passez. Parce que nous aimons les légumes. Nous achetons toujours moins. Parce que nous avons montré nous quand même les chers, nous avons envie de manger, nous achetons moins. Mais si consommateur estimé qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans les légumes et qu'il y a des séries de conseils pratiques, d'abord lave les légumes à grande eau, à l'eau froide, de 1 à 2 minutes. Ça lui permet d'éliminer de 75 à 80% des résidus de pesticides. Une autre possibilité, c'est tremper les légumes ou fruits là pendant 15 minutes dans une solution 10% vinaigre blanc et 90% d'eau et après ça rincer à grande eau. Alors, nous causons Smart Agriculture, nous causons aussi agriculture bio ou agriculture raisonnée. C'est quoi la différence? Qui nous peut faire de Maurice? Alors, il faut être bien clair, parce que le programme Smart Agriculture, il veut dire nous pouvons faire une utilisation judicieuse, une utilisation correcte de produits chimiques. Quand nous causons agriculture biologique,
L'agriculture biologique empêche l'utilisation de produits chimiques, de pesticides dans sa qualité de production. Là, il y a une agriculture qui a un programme de certification, il y a un cahier des charges bien précis, compliqué, difficile pour faire Maurice, l'eau à une grande échelle. Nous propose, nous, au contraire, une manière de produire l'eau à une grande échelle, en faire une utilisation raisonnée de produits chimiques qui nous permettent dans une plantation de légumes. Alors, et tu fais une étude, nous comprenons la chambre d'agriculture fait une étude. Qui ça l'étude vient de révéler? L'étude révèle beaucoup d'informations qui sont bien importantes pour la prochaine étape qui nous pourrait bien faire pour résoudre ce problème de réduction de pesticides dans la culture vivrière. Premièrement, les planteurs âgés. Plus de 60% de la population qui nous interroge 300 agriculteurs, Zotena plus qu'ils 60 ans. Ce qui veut dire sa population-là, zot âgé, mais zot pas capable de lire. Souvent, zot pas capable de lire. Zot est en difficulté, comprend l'étiquette qu'il a de produits chimiques, et puis zot faire comment zot type toujours faire, comment zot parents y apprennent zot. Donc, zot peut demander un changement, zot peut demander une nouvelle formation pour pouvoir améliorer zot qualité, zot productivité. Ensuite, ça résulte à l'étude-là, il nous donne qu'il y en a plus que 60 pesticides qui utilisaient. Pesticides qu'il y était. Pesticides, un produit qui nous met dans les légumes pour empêcher les bébêtes de vivre dans nos plantations. Il y en a fongicides, il y en a herbicides, il y en a insecticides. Il y en a plus que 60 produits qui nous peut utiliser. Lors de ces 60-là, il y a un produit qui est déjà banni. Mais qui a coupé sa vie. Qui a coupé sa vie. Ils ont été bannis depuis un très peu de temps. Le stock est fini. Mais nous avons besoin de produits alternatifs. Alternatifs bien proposés. Donc ça, il y a un travail qui, pour longue haleine, nous avons besoin de changer sa méthode de production. Là. Alors, dans l'étude qu'il fait, qu'est-ce qu'il a révélé par rapport à la perception de la plante, l'utilisation de produits chimiques, pesticides? Ce qui est plus perturbant, un résultat bien perturbant, c'est que les planteurs pensent qu'ils ont des produits phytosanitaires, qu'ils ont des produits chimiques nocifs pour la santé, ils ont des médicaments et ils ont des vitamines. Donc là, il y a un changement de perception et un changement de mentalité qui est bien important. Il faut des autres comprendre qu'ils ont des produits là, des produits dangereux pour la santé. Quand vous pouvez utiliser les sans mettre bonne protection, les dangereux pour vous-même. Quand vous pouvez utiliser les dans grand vent, quand la brise ramène ce produit-là, l'azote, et qu'ils n'ont pas protégé, les dangereux pour votre santé. Laisse bonnes légumes, laisse tout ça là, mais pour votre santé, vous-même, les bien important. Donc, il faut changer sa perception-là. Ça, un premier message qui nous vient passer de manière urgente. Alors, une fois cette étude-là, il y a beaucoup de gens âgés, dis-moi. Alors, avant de vivre une bonne pratique, qui est une mauvaise pratique qui peut faire et qui sont conséquences? Souvent, quand on explique, les planteurs pas capable de lire l'étiquette correctement. Donc, de temps en temps, vous êtes capable de sous-dose de produits ou de sur-dose de produits. Donc là, il y a une conséquence néfaste pour l'environnement. Ensuite, les planteurs, souvent, vous faites un traitement préventif. Plus que 90% de planteurs qui nous interrogent. Ça veut dire même pas la maladie, après faire spraying, après pomper. Exactement. Je dis, je suis peur pour la maladie, donc je préfère mettre un produit pesticide dans ma plantation au cas où je peux avoir la maladie. Dans certains cas, plantation, il est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire dans toute plantation. Quand il fait spraying en cas préventif, s'il y en a un autre légume à côté, même si ce pesticide-là n'est pas destiné pour ce légume-là, ben, il met-le à côté. Il dit au cas où, je préfère mettre-le. Et donc, ben, spraying préventif, pour capable de diminuer, si nous sommes capables d'arrêter ça, il peut diminuer une grande partie de l'utilisation de pesticides dans nos bonnes plantations. Alors, comment pas pour ce changement-là? On peut dire donc 90%, ils trouvaient, ils ont envie d'améliorer, changer. Quelle manière pas pour ce changement-là? Il y a un travail, premièrement, qui peut prendre beaucoup de temps. Il y a un travail conscientisation, il y a un travail formation. Formation pour les planteurs, formation pour les gens qui peuvent donner cours. Nous, l'éducation jusqu'à ce nous avons une formation qui nous gagne jusqu'à ce il y a toujours une recommandation chimique. Nous avons changé notre type de recommandation. En faisant ça, nous avons un nouveau programme qui nous est capable de proposer. Donc, plus gros travail, il faut faire par formation, par éducation. Après, il y a un programme qui est aussi important, il y a une législation. Nous avons encadrer l'utilisation de produits chimiques. Aujourd'hui, n'importe qui est capable d'acheter, n'importe qui volume produit, mettre le socaro, vendre à n'importe qui dit monde.
Donc, nous pas pour capable gagner traçabilité, nous pas pour capable connaître qui dosage, qui quantité produit une mettre nos légumes, et tout ça là, ben le consommateur peut manger. Donc, oui. Bizarre, a un bon encadrement, l'utilisation de produits chimiques, et donc, il y a maintenant une législation. Alors, vous dites-moi, qui est dans l'étude, ou fin touche plus ben d'immunager. Vous avez une idée, qui manière, par exemple, ben jeune, autres qui ben pratique, ben qui plus jeune peut faire de ben carreaux? Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas smart pour les jeunes. Nous bisons ramène un type d'agriculture que nous pour ramène les jeunes vers la terre. Aujourd'hui, légumes pas valorisés. Donc, nous ce qui nous envie, c'est valoriser produits qui peuvent sortir depuis les carreaux. Quand nous pour valoriser les produits là, les consommateurs pour rôder ces produits là. Quand nous rôder, il fait un travail la chaîne. Quand nous pour les consommateurs pour rôder sa qualité produit, qui nous contrôle, nous avons une connaissance, nous avons un suivi, nous avons le carreau tout le temps. Nous pour valoriser produits, les jeunes pour intéresser parce qu'ils pourraient avoir une demande pour ce type produit là. Nous pouvons trouver Zodi qui nous donne une la serre. Il besoin un contrôle, besoin un agronome, besoin connaît, besoin suivi, besoin guetter tous les jours. Mais ça, il y a un produit qui peut demander ben consommateur. Quand nous boudons plein champ, besoin tous les jours le carreau, besoin tous les jours vin guetter. Quand nous faisons ben spraying préventif, nous pouvons juste dire au cas où nous pouvons mettre ben produit. Mais quand nous pouvons un agriculteur responsable, nous pouvons mettre ben produit quand pour besoin mettre. Donc là, pour une responsabilité ban planteur, ban consommateur pour plus sa ban produit là. De et plus donc, en plus consommateur puis conscientiser, moi j'ai l'impression ban consommateur puis envie pour un produit sain. Exactement. Mais ça, l'un outcry qui nous bizarre répond à sa programme Smart Agriculture. Mais si nous revenons départ en arrière, nous n'arrive sa situation là aussi à cause ban consommateur. Donc ce qui nous bizarre, nous montrer ban consommateur qui a une tomate qui piquait. Qui a une pomme d'amour, qui a ce petit tache noir, là, et soufflet côté un petit sautiver là-dedans. Tout ça, ben produit qui me démontrait qu'il ne peut pas mettre ben produit chimique là. Donc nous bizarre révine ben sa qualité produit là. Mais pas dire que tout ben produit bizarre piqué, produit bizarre et dans les verts, mais il y a un moyen connu qui nous a un produit côté un moins produit chimique là. Justement, quand nous pécou de cette optique-là, à nous ça nous guide deux exemples d'agriculteurs qui manière je te fais ben bonne pratique vers l'agriculture raisonnée. Là, nous donnons un carreau légumes de la Marie. Carreau légumes à vinache regout. Li met sur machine spraying en morse. Pour li arrose sur ban laiti avec produits chimiques pour lutte contre maladie. Mais à vinache regout, dit à nous, li prend beaucoup précaution. Li a planté légumes depuis 10 bananes. Si longtemps, li t'y peut servir un bon volume pesticide de ce ban carreau l'eau 14 pans, à cela, les fins diminuent ça beaucoup. Les suivent instructions, les médisent ce qui bizin, quand bizin. Les gens nous disent contents, les gains coup de main, conseils et accompagnement de l'agronome Antoine Paté. Je travaille ensemble. À Vinache Regout, je suis ban procédure bien strict pour produire ban laitie de qualité sous la marque et franchise internationale Bonduel. Ban laitie qui est capable de payer 500 grammes, mais avec très peu produits chimiques. Ce coût aussi plus élevé, lié environ 70 roupies pour supermarcher l'hôtel et restaurant. Vinache Regout explique-nous comment il fait pour produire ce ban laitie jusqu'à ce prix après 45-50 jours. Produits chimiques nous servent d'après ce règlement. Right. Nous avons servi tout, mais d'après ce dosage exact, après nous avons besoin de cette date récolte. Right. Après tout produit, nous avons besoin de pesticides qui nous avons mis. Nous avons besoin de récolte, après nous récolter. Il est suffisant pour restituer tout les insectes, les bactéries, les herbes qui poussent? Pour le moment, il est suffisant, mais avec le temps, ce qui nous peut gagner, c'est l'humidité, tout ça. Là. Nous avons beaucoup de problèmes bactérieux avec ban pesta devient résistant. C'est là qu'il faut faire. Ben là, nous devons continuer à travailler comme ça même. Si les gymnases viennent comme ça, inaffectés, nous devons tirer. Nous ne pouvons pas mettre plus que ça. Ou pas augmenter dose? Non, dose pas augmenter. Dose pas augmenter, bien réglé. Normal. Est-ce que d'après vous, il a beaucoup planté, il servit trop beaucoup de pesticides, trop beaucoup de produits chimiques dans d'autres carreaux? Il faut possible, parce que je ne pas connais, je ne pas travailler, je ne pas aller faire d'autres travail, vous comprenez? Il faut possible, mais capable, oui, capable, non. Allez, par exemple, pour l'étilat, dis-moi combien de temps ou mettant terre pour parer les lits et quelle quantité d'eau, combien d'applications ou faire ben, de produits chimiques. Produits chimiques, d'après l'autre, là, nous faisons d'après 5-7 jours. 5-7 jours, après, nous avons un produit qui
ce date les 21 jours, nous bien respecter ça. Avant de nous récolter, nous bien respecter ce date ce qui nous donne de pesticides là, ce 21 jours après nous récolter. Alors, là où plante les tiges, combien de temps il paraît? 45, 50, 60 jours. Les bases là. Combien de fois vous faites entre 45 60 jours là, combien de fois vous faites application pesticides, produits chimiques, tout ça là? Combien d'applications on fait de ça 60 jours là? Comment on fait le diaou là? On a un pesticide qui fait 7 jours, on a un pesticide qui fait 21 jours. Right. Nous avons besoin d'arrêter d'après maladie, ce qui nous plante à choper gagner. Nous mettons ce pesticide, ce qui est bizarre. Et là, avant date récolte, nous avons fini de connaître qui nous mettait dans nos carreaux, qui nous servit, right, qui date, et là, nous récoltons. Mais néanmoins, nous avons mettre préventif. C'est quoi préventif? Préventif, c'est un pesticide préventif qui n'est pas à longue durée. Right. Après, nous avons un pesticide systémique qui lui détruit la maladie là. Est-ce qu'il est avec la compagnie qui va nous vendre produits, est-ce qu'il y a une inspection régulièrement? Comment ça passe? Oui, toutes les semaines, madame est inspectée. Mais on écoute, maintenant, prend les légumes là, total fait analyser tout. Get ce nombre de pesticides, ce qui est là, combien de résidus est là. Là, nous mettons le marché. Et voilà, je veux rectifier tout, changer. Non, rectifier la peine, parce que mon visa travaille d'après le règlement. Si mon légume peut parer dans 60 jours, mon visa finit pour pas les légumes dans 60 jours. Avec son application qui vous appliquez. Tout le monde a fini par parler. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez l'important qui tout planter de Maurice, comme on a dit, maximum planter, adopter cette bonne pratique-là? Oui, bien sûr. Bien sûr, il vous protège la population Maurice contre beaucoup de maladies, ce qu'il y en a avec les pesticides. Il vous, bon. Il vous prend le temps, mais comme moi, il est un peu difficile pour adapter, mais bien fait aller. Bien fait aller. Avenir Chogou, dis-nous, il est bien satisfait sa partenariat en confiance avec Antoine Paté, agronome. Il est fier et satisfait les produits laitiers pour une marque internationale. Il aussi plante les autres légumes, betteraves, le chou, cotomille, les oignons, pommes de terre. Malgré beaucoup d'exigences, finalement, sa méthode de production-là est bien profitable. L'agronome Antoine Paté, dis-nous, est disposé à accompagner les autres planteurs pour aller vers l'agriculture raisonnée. Nous travaillons avec une compagnie française qui s'appelle Bonduel. Nous avons une franchise depuis 3 ans à ce stade-là. Nous travaillons, nous produisons tout man laitier en sachet, en sac plastique, qui nous désaffinit, laver, nettoyer et qui nous paraît pour la consommation. Et donc, nous organisons nos travail en filière, c'est-à-dire que nous, ici, Bonduel à Maurice, qui est porté par le groupe Food and Allied, nous avons nos propres pépinières. Nous avons nos pépinières, nous produisons nos petits plants, et petits plants-là, nous délivrons avec un plantaire. Nous travaillons avec un plantaire partenaire. C'est-à-dire, ce partenariat-là est bien important parce que nous pouvons travailler en long terme avec Plantea-là. Et Plantea-là est d'accord pour rentrer dans une certaine discipline de travail quand il peut diminuer la quantité de pesticides. Et là, nous pouvons travailler en un norme Bonduel qui correspond avec la loi l'Europe. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est nous sélectionner un plantaire qui est d'accord pour rentrer dans sa démarche-là. Qui est motivé pour travailler avec une technicité un peu plus poussée, un peu plus exigeant, ouais, avec une discipline un peu plus forte. Et puis après, nous sélectionnons la terre-là, bien sélectée pour nous capables de planter les tiges là-dedans. Voilà. Et à partir de là, nous signons un cahier des charges, qui décrit au fait, qui dit toute sa discipline de travail qui nous est là avec sa plantée-là. Voilà, donc nous délivrons ce plan et contrat là, il dit qu'il y a un droit servi telle molécule, tel produit, avec sa dose, avec ce délai avant récolte. Tous les semaines, mon passe dans carreau. N à 2 fois dans la semaine, mon passe dans carreau. Là, nous gagnons une coûte et qui est malade nous a, qui problème nous a, le laitier. Et là, nous décidons ensemble, nous mettons tel pesticide. Okay? Et ce pesticide-là, nous gagne bien sa dose avec ce délai avant récolte. Est-ce qu'il nous gagne les temps? Mettre-li. Si nous ne gagnons pas les temps mettre-li, nous avons besoin d'une autre solution, un produit qui fait avec une date plus courte, un délai plus court. Ça. Après, c'est aussi une question de confiance. Il est bien important, en fait, dans sa partenariat, le long terme avec nous, man planter, c'est une relation de confiance. Et, si confiance-là, elle est là, c'est-à-dire, planter-là, elle connaît, moi, mon poulet, ce laitier, avec un prix fixé à l'avance. Et moi, je connais,
capable d'avoir confiance que sa décision pesticide qui nous prend ensemble, il peut faire ça d'une bonne manière. Voilà. L'autre côté, évidemment, nous faisons un contrôle. C'est-à-dire nous envoyons un sample avec un laboratoire, aussi bien ici Maurice que l'Europe. Nous faisons un sample laitier analysé. Là, comme ça, nous pouvons checker si il n'y a aucune molécule, il n'y a aucun produit qui dépasse la norme. Qui dépasse. Alors, dans bas d'analyse, une des arrivées d'un échantillon qui vous prend, qui dépasse la norme Dans commencement posé, une des arrivées, là, nous retravaillons ça avec planté, là, elle est diminuée. Et nous sommes corrects depuis ça. Ouais, il fait 10 ans, nous n'avons aucun résultat négatif. Alors, qui peut amener dans l'ensemble, faire planter 10 millions de doses d'une manière et respecter la norme. Il est difficile pour faire ça, des fois sans mentalité. Comment ça passe? Il est un petit peu difficile, oui. Bon, pas pour dire non, mais seulement, moi, mon corps, planter, il est en attente un support. C'est-à-dire, planter, il est conscient. Il connaît, il a ce problème-là dans Maurice. Et il n'est pas content en fin de sa quantité de pesticides-là. Même pour son propre la santé, pour ses propres enfants, pour son propre pays. Donc, ce qu'il a besoin, un bon accompagnement. Hein, et ça, mon corps, c'est ça même qui nous capable, propose de planter dans sa activité bonduelle. C'est qui, tous les semaines, un jour, deux jours dans la semaine, moi passe dans le carreau, nous capable de causer, nous capable de rôder une solution ensemble. Et c'est une solution, c'est une manière de travail qui travaille bien là-bas l'Europe. Et moi, mon corps, nous capable de faire ici Maurice. En tout cas, nous, il y a des planteurs avec qui nous travaillons pour un long terme. Est-ce qu'il est capable d'enlever aussi la lutte biologique contre les insectes et au lieu de servir produits chimiques, pesticides? Gagne la lutte biologique contre ban nuisances, ban insectes qui attaquent ban légumes. Bien sûr, bien sûr. Au fait, ce qui est important, c'est un ensemble de pratiques. Ok, Mondio, nous besoin sélectionner la terre. Nous besoin guider bien manière nous pour travailler sur la terre là. Qui manière moi pour préparer moi la terre pour qui quand un agro l'appli là capable aller, de l'eau là capable aller, pour qui nous gagne moins espèces, pour qui nous gagne moins malades. C'est un ensemble de pratiques. Nous pas qu'à dire oui tel produit est bon, telle lutte biologique est bon, c'est un ensemble. Ok, pour un légume les vins un petit peu plus compliqué, mais si nous faisons l'esprit travail, nous carguons une solution. C'est un travail de longue haleine, bisez beaucoup patience pour amener une plantée à accepter les bonnes pratiques pour gagner des légumes sains dans l'assiette et aussi protéger la terre fertile et moins polluer l'environnement. De la Marie, direction Saint-Pierre, sous Banser, compagnie ENL Agri. Ici, c'est plantation laitie sous une toiture plastique protégée. D'abord, avant de rentrer, bisez précaution, désinfecter souliers pour éliminer risque attrape maladie et éviter contaminement de laitie. Ici, c'est aussi protection à trop forte température pour diminuer le stress température de la plante là. Et protège physiquement contre gros appli, inondation aussi. Là, ça n'est pas un problème. C'est qu'il est hydroponique sans contact avec le sol. Les plantes de laitue gagnent toujours de nourriture, dépit une solution nutritive parfaitement équilibrée qui coule 24/24 dans un tuyau. Finalement, c'est une laitue de meilleure qualité et il est fini paré pour la consommation de 35 jours. Et il y a des serres comme ça pour ENL Agri, 2 500 m² et 960 m², mais sous investissement lourd au début, près 3 millions de roupies pour une serre comme ça. Compagnie là aussi produit tomates, courgettes, concombres, poivrons. Manager Tico Cédier y attend 15 000 laitis au bout de 35 jours, mais il y a un gros travail derrière. Si ENL Agri nous promouvoir l'agriculture en milieu protégé, donc moi je trouvais dessous en la serre. Donc pour nous, ce qui nous met de l'avant, la prévention, plus important que de guérir. La prévention, c'est-à-dire par rapport à quoi? Preventive is better than cure. Donc ce qui veut dire, nous utilisons une méthode physique pour prévenir, donc tout ça s'appelle ban bébête, ban insecte et ban maladie. Donc moi je trouve, je donne la CR, donc dans la CR là, nous utilisons premièrement
ban filet anti-insecte. Le but de nous servir ban filet anti-insecte, c'est prévenir, bloquer les insectes à l'extérieur. Vous pouvez trouver tous les autres qui, effectivement, peinent insectes en tant que tel. Donc ça, c'est la première barrière qui nous mettait entre l'environnement ouvert, donc en plein champ, et par rapport à NCA. Donc, nous donne l'environnement contrôlé. Donc la première chose, nous séparons autres de nous. D'accord? Nous gardons autres à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur, vous allez voir, je vous trouve ban, ce qu'on appelle ban sticky traps. Donc c'est simplement ban morceau de plastique sur lequel il y a de la colle. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça attire ban insectes qui effectivement trappent autres. D'accord? Donc qui est une méthode physique. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième pilier, c'est qui nous fait ce qu'on appelle une sélection variétale. Dans les légumes, un légume, il y a 50, centaines de variétés. Nous, au niveau de l'agri, nous assurer qu'il nous fait une sélection variétale par rapport, premièrement, à la performance, donc rendement. Deuxièmement, résistance aux maladies et aux insectes. Nos propres pépinières. Oui, nous avons nos propres pépinières. Donc le but ultime de ça, c'est d'arriver à produire une variété qui est déjà résistante au départ, non pas pour produire une variété qui est susceptible à une maladie et aux insectes. Si nous produisons un légume, une variété qui est susceptible à une maladie et aux insectes, automatiquement, nous pouvons utiliser des méthodes de contrôle qui sont quand même assez agressives. Donc au départ, nous, c'est la prévention. En dernier lieu, nous venons traiter. Si bizarre est, en dernier lieu, je dis bien. Donc pour ça, premièrement, nous assurer que nous respectons les doses, parce que dosage très important. Dosage de quoi? De pesticides, d'accord? Dosage est très important. Et deuxièmement, nous respecter ce qu'ils appellent un délai pré-récolte. Normalement, dans un produit, quand on applique un produit phyto, ce qui est arrivé, c'est qu'il prend un temps pour dégrader-le. Donc, il y a une norme internationale qui dit qu'après le délai pré-récolte, il est safe, donc il est sain pour récolter ce produit-là parce que la quantité de produits chimiques qui restent là, il est moins nocif à la santé. Donc ça, c'est la clé à respecter dans l'utilisation phyto. Alors, dis-moi, de solutions nutritives là, qui est là-dedans? Il y a quand même ban de pesticides, ban de produits chimiques. Qui est là, constitué de quoi, sa solution nutritive qui passe dans ban tube là? Non, il n'y a absolument pas de pesticides dans la solution nutritive. La solution nutritive, comme on dit à même, c'est une solution qui appelle tout ban élément essentiel, ban minéral, qui plante là, bizin, pour sa croissance optimale. Donc, nous donne un système hydroponique où nous contrôlons la quantité d'éléments nutritifs qui plante là gagnent. Parce que, pourquoi nous bizin gagnent une plante avec une solution nutritive contrôlée? C'est pour avoir une plante qui est le plus en forme possible, le moins stressée. Donc, nous assurer que la plante a mangé, allons dire, si nous appelons la solution nutritive, c'est qu'ils ont mangé, ou cause balance diet dans la société. Donc, allons dire le balance diet, nous faisons ça à partir de la solution nutritive, qui est contrôlée journalièrement tous les jours, et aussi toutes les heures, nous vérifier que la plante a gagné ce qu'il est besoin. Alors, autre chose, et sous Bansé, alors il y a des affaires où réussit contre la température et aussi évite trop beaucoup de la pluie, c'est là aussi. Ah oui, effectivement. La CIE permet de nous protéger nous-mêmes contre les intempéries, contre les grosses pluies. Et aussi, nous permet de nous couper l'effet de la lumière. Comment on explique? Nous avons un écran thermique. Un écran thermique, c'est fait pour réfléchir, donc réfléchir la lumière. Et la chaleur. Après la récolte dans Bansé, c'est l'étape packing et d'une équipe madame qui procède à nettoyage et met le produit fini en plastique.
Sinon, pour vendre les légumes, il y a du packhouse de l'agri. Ici, tous les légumes sont soigneusement pesés, sélectionnés, lavés, triés par un employé à la machine. C'est un procédé important, manager Alain Souchon dit à nous. Procédé qui permet après ça de garder une traçabilité des légumes. Tous nos produits rentrent tous les jours et quand ils rentrent, ils sont pesés, notés, enregistrés. Suite, après avoir été pesé, on passe les produits sur une machine qu'on a fait importer de l'Afrique du Sud, une machine mécanique où les produits sont triés, lavés, brossés, et on peut sortir avec trois différents grades de produits. À la fin de la ligne, les produits sont séparés dans les trois différents grades et pesés, encore une fois, et puis emballé, tout dépend si ça va partir en vrac ou en supermarché. Ce qu'on fait aussi, on garde des échantillons de chaque batch de produits que nous avons et on les garde pour entre une semaine et deux semaines, de temps en temps plus. Tout dépend de la durée de vie de ce produit. L'idée, c'est qu'on a une traçabilité s'il n'y a jamais un recall, ou on a cette même échantillon-là chez nous où on peut vérifier nous-mêmes s'il y a un problème, on peut aussi laisser savoir. Sur nos étiquettes, nous avons une date d'emballage et une date d'expiration pour s'assurer que le client connaît que quand c'est arrivé à fin de vie, le légume peut être jeté. Des exemples qui pratiquent l'agriculture raisonnée pour une utilisation efficace et évite trop servir produits chimiques pour de Mauriciens, ben produits sains et frais et évite polluer l'environnement aussi. Alors nous faisons ce reportage là. Alors qui manière pour faire l'éducation autant que possible, formation pour nous enlever agriculture raisonnée, comment nous fait trouver dans ce reportage là? Il y a un travail encore une fois qui peut prendre le temps. La chambre d'agriculture lui-même pas pour un organisme formateur. Nous pouvons propose, elle nous peut donner une solution, nous peut dire qui problème est dans le terrain. Et nous avons l'organisme spécialisé dans formation Maurice, et le FARI, le Food and Agricultural Research and Extension Institute, nous avons un programme formation qui existait, qui est un bon programme. Il faudrait les plus vulgariser le terrain. Il faudrait un officier FARI plus souvent le terrain pour venir répondre à sa besoin formateur, là, sa besoin de planter. Là. Ben planter dans l'étude, l'indire qui première affaire qu'ils ont pu demander, c'est ben une solution. Ils ont pu dire qu'ils ont besoin ben d'immun qui viennent montrer aux autres comment ils sont capables de faire, et comment ils sont capables d'utiliser une méthode différente, l'agriculture raisonnée. Ils ont dit qu'on utilise ben produits chimiques, ils ont pu rôder ben alternatives. Donc pour besoin, il y a un training of trainers, comme ça nous capables de répondre à sa besoin ben planter. Alors, nous faisons une cause, un point important, un bon dosage et aussi respecter le délai pour récolte. Est-ce qu'il y a aussi besoin d'aller plus vers la lutte biologique aussi? Quand nous besoin réduire l'utilisation de produits chimiques, il faudrait nous comprendre que dans l'environnement mauricien, avec la pluie, l'humidité, nous ne sommes pas capables de dire que nous pouvons mettre zéro produit chimique lors d'une base industrielle. Donc, nous besoin utiliser le produit. Nous réduire, quand bien réduire, en empêchant sa bonne produit, l'utilisation préventive, nous diminuer préventif. Et après, comme on ne fait qu'expliquer, il y a une lutte biologique. Lutte biologique, qu'il y était. Quand il y a une bébête qui vient là au carreau, il y a sûrement une lutte des animaux qui sont capables de venir manger sa bébête-là. Une coccinelle, une puceron, tout ça là, une petits animaux, petits insectes qui existaient dans la nature de manière naturelle, qui pour capable vienne lutte empêche ban mauvais ban espèce nuisible l'eau ou plantation. Zodi nous met tellement insecticides qui nous plie na coccinelle dans carreau, nous plie na araignée, nous plie na tout ça ban petit bébête qui important pour vienne manger ça ban l'espèce nuisible. Donc quand nous diminuer l'insecticide, nous bizar et na mettre ban plante qui pour amène ban coccinelle, nous ban bête ban temps en temps ban carreau quand on guette et na ban fleur autour. L'important tout ça ban fleur là, il y a mauvaise herbe, l'important
faudrait pas nous tout, tout ce qui est là autour au carreau, mais tout ça bonne, bonne fleurie, mauvaise herbe qui est là autour, il est important pour sa bonne espèce haute qui pour attaque ban nuisible. Maintenant, nous avons deux exemples, deux jeunes maintenant qui aussi de cette culture, de cette carreau, je peux essayer de diminuer les dosages et produits chimiques de PCA vie, et là avec l'aide pareil aussi, nous avons ce reportage là avec ces deux planteurs là. Nous l'avons ôté une nouvelle découverte et que devant nous, une grande surface de la terre cultivable. Et la 14 en là-dedans qui appartenir à Ali Mahmoud. Un an de cela, sa plantée-là fin décide pas sauver. Lui fin consacrer un orpant de la superficie dont il disposait au Zero Budget Natural Farming. Et depuis, lui fin aussi besoin de développer un nouveau réflexe. La veille, lui fin récupère 200 litres du worm litre préparé. En diluant sa concentrée-là avec de l'eau, lui fin dispose aujourd'hui de 400 litres de sa mixture à base de bouse et d'urine de vache-là pour qu'il y enrichisse au la terre. Le produit qu'il me prend, il y a là, produit là, ça veut dire qu'il ajoute 200 litres de l'eau avec lui, 400 litres. Il suffit pour un enfant. Je finis de servir, je finis de faire mon récolte. La terre commence à engraisser doucement, elle commence à développer. La terre commence à répondre à la force avec lui. Ça, je apprends avec Faré, je mets la paille en lit. Là, quand on met la paille, on met sa produit là, on met sa produit bio là. Doucement, il descend, il garde la terre frais, sa bout là, il travaille dans la terre là. Il travaille doucement, doucement, parce que si nous vous êtes de l'eau dans la terre, hein, les fruits secs de suite. Mais il n'y a pas gagné le temps de travail là, tandis que la paille là, les gars de sa humide là, il travaille doucement, doucement. Sa nouvelle méthode culturelle a fin convaincu, ce ban bien fait est indéniable dans la qualité et nombre de légumes qu'il y produit. Sa fida, cultive la terre depuis Astéla une trentaine d'années, il est bien placé pour faire la différence entre la production naturelle et chimique. Il y a une petite différence. Moi, j'ai peine à autant piquer. Pas pourri autant. Longtemps, comme on dit, tu peux bien gagner. À ce temps-là, quand elle est malade, oui. Pas peut gagner autant. À ce temps-là, quand on sent médecine, tout ça, là, peut gagner un peu. Un exemple, une plante pomme d'amour, même pomme d'amour, son rendement est bien. Et avant, ça, moi, tu as servi beaucoup de pesticides. Moi, tu peux servir beaucoup d'herbicides aussi. À ce temps-là, tu as servi d'herbicides autant. Juste bret qui poussait avec sa bande de produits bio là, et ça peut être aussi vendable. Et que me trouver une différence pour les légumes. Depuis qu'il y fin commence à servir Jérôme Rit, Ali Mahmoud puis encourage tous ses camarades plantaires imite-li. Lidiano qui y fin récit convaincre une bonne dizaine d'entre eux, ce un argument bien faux, ils concernent directement leur coût de production. C'est-à-dire, plan la même, il peut finir par ce développement, moi j'ai servi du sel, beaucoup 50% du sel, moi j'ai fini diminuer. Moi j'ai fini diminuer de carreau, mais ça lui un revenu pour moi-même. Encourage mon camarade, ça qui a envie, rentre des produits bio, prendre coup avec Faré, il y a beaucoup d'avantages pour eux. Et le côté de produits même, de terrain même, qui peut venir plus bien des jours en jour, il peut gagner terrain comme il peut revivre, de cadre, plante de légumes plus bien. Un autre avantage de sa procédé naturel là, c'est qu'il y permet qu'il tive une grande variété de légumes en un minimum l'étang et qu'en même temps. Avant qu'il y plante sa bande tomate là, par exemple, Ali Mahmoud tine aussi essayé d'y à la betterave et que même aujourd'hui, sa bande légumes là a pu continuer à pousser. C'était en septembre dernier. Premier ministre y participe à un atelier de travail, le Zero Budget Natural Farming. C'est une technique de production agricole indienne à base de produits naturels. Déclaration de Sanyru Jagnet, tissant équivoque, production naturelle et organique pour une man priorité sur le gouvernement. Mon gouvernement vous donne tout coup de main qui est bizarre pour qu'il soit capable de faire l'agriculture bio, pense à l'envol dans nos pays. Depuis ce moment-là, sa l'ambition-là fin commence à concrétiser. Farey, Food and Agricultural Research and Extension Institute, fin saisit du dossier, modèle du docteur Subhash Palekar qui fin grandement conquérir un agriculteur indien, il y a présent une réalité dans Maurice. Nous dans Shui Shui Radhe Gopal Godam dans Belle Rive, c'est ici que Farey vin CS sa matière première. Si nous guettons bien nos grands-parents, tout le temps tu peux servir fumier vache, tu peux servir ban intrant organique. Et tout le temps, tu peux gagner un bon produit. Dis-moi, ça met tu peux malade. Si nous avons testé là, qui quantité de maladie peut gagner? Et il y a beaucoup de recherches scientifiques qui nous montrent que oui, il y a une relation entre ces pesticides, pesticides dans manger, pesticides dans légumes. Et quand tu peux faire du monde, vin malade. Une fois qu'il a bouse et que l'urine de vache récoltée, préparation de Jiwam Lipta capable de commencer. On a fait ça ici, dans le bureau Farey Wooten. Il nous met ce produit qui nous appelle le Jiwam Ritam. Right. Quand nous servis 10 kg
bouse de vache, 5 kg l'urine de vache, 1 kg bessane, 1 kg d'issique, les nous mélangeons dans de l'eau, les remultiplier le nombre de bactéries qui est là. Et ça, cette bactérie-là, 90% de quantité de bactéries qui est là dans la bouse de vache, les extra bénéfiques pour la terre et pour la plante. Si quelqu'un peut soit depuis fertilisant, pour aller dans zéro budget, au fil de 2 ans, là, ce latéine finit bien riche, ce latéine finit bien en bonne santé. La production même, les vins, une production vraiment incroyable. Les reste plus beaucoup, ce veut dire, ce durée de vie, la table, beaucoup plus. Les pas comme dire, ça m'a dit, quand on a une astèse, on dit, l'an dimanche, vin noir. Mahmoud Ali fait partie d'un planteur qui finit abandonne un engrais chimique pour qu'il y passe au vert. Depuis à cela un an, il vient récupérer sa concentrée là, sa quinzaine. C'est qu'il vient commencer comme un essai, il vient venir à Zodi, une évidence pour lui. Ça fait un an, je suis venu coup avec Faré. Côté mon Céli, côté Farine Céli dans mon carreau. Et je trouve un avantage avec lui. Côté, un exemple, je prends des haricots. Je n'ai pas servi aucun pesticide. Je m'en servi tout, natural farming, sur ban bio, tout ça. Je trouve un résultat correct. Je prends des haricots même. Je suis revenu plus et je fais l'économie au le côté l'argent. Bal planter qui peut souhaiter servir sa méthode de production 100% naturelle et gratuite là, je t'invite vin sollicite coup de mes fareilles sur place, je pour gagner une formation adéquate pour mise en pratique sa méthode de production là. L'utilisation à outrance d'un intrant chimique dans nos bal plantations décriée par le ministère de l'Agro-industrie. Un rapport qui fin publié récemment par la Chambre d'agriculture fin d'ailleurs confirme sa tendance là, de quoi motive davantage nos bal décideurs à avancer vers une agriculture naturelle et réfléchie. Pour ministre Sirotten, Zero Budget Natural Farming, c'est une des bonnes solutions à ce problème-là. Ce ministère peut travailler aussi sur les autres alternatives naturelles. Et de tout temps, Maurice, nous faisons servir les pesticides. Et quand nous causons pesticides, bien sûr, nous causons insecticides pour contrôler les insectes. Nous causons fongicides pour contrôler les maladies. Nous causons aussi les herbicides pour contrôler les mauvaises herbes. Donc tout ça, c'est un produit qui nous fait de tout temps, hein. Peut-être moins dans les années 50-60, mais nous faisons trouver une croissance de ce produit-là au champ pour capable augmenter la production de ban culture vivrière. Bien sûr, pour capable produire plus et produire beaucoup plus vite, de par la demande même sur le marché. Mais ce qui peut-être nous pas réalisé, c'est qu'il y en a une. L'effet sur l'environnement, sur l'effet sur le sol même pour commencer. À chaque fois qu'il y a plus de produits chimiques, donc, nous allons nous parler, peut-être dans le court terme, des rapports d'environnement intéressants, mais dans le long terme, il a affecté le sol complètement. Et consommateur, si pose question, ça légume du paiement, c'est là capable d'être beaucoup de produits chimiques là-dedans. Tout à fait, comme on dit là, il y a ça côté, côté livine affecté, ou rendement, ou sol, ou la terre. Il y a aussi ça, un produit qui vous met dans la terre là. Finalement, il trouve ce chemin, il arrive jusqu'à dans la rivière. Il affecte un produit, un organisme qu'il trouve dans la rivière. Donc, il affecte l'environnement, il affecte aux nappes phréatiques. Et. Et encore plus important, il affecte la santé de mes consommateurs. Alors c'est pour ça que nous, au niveau ministère, l'année dernière, nous embarquons dans un processus pour encourager les agriculteurs à aller beaucoup plus vers ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée et éventuellement vers ce qu'on appelle l'agriculture organique ou bio. Alors, quelle manière nous abordons ça? Donc, d'abord, comme on va dire, nous besoin sensibilise les producteurs lui-même. Parce qu'ils ont dit, c'est maintenant qu'ils appliquent les pesticides. Okay? Donc, il y a un travail de sensibilisation qu'ils ont à faire au niveau ban plantaire. Commencer, ils ont pu faire. Déjà, une sensibilisation qu'ils ont à faire, mais en même temps, ils ont sensibilisé aussi les consommateurs. Les deux parties qui sont concernées, donc, ils ont pu être conscients des ban l'effet néfaste de ce qui c'est une utilisation abusive de ban pesticides. Au niveau ban plantaire, et non sur la quantité, quelque part c'est la vie, sur la qualité du produit même,
Des fois, nous t'en dire dans carreau, implanter, il met un petit peu de tel produit, un petit peu de tel produit, il fait un cocktail avec ça, et l'intendier, il applique ça, il gagne un bon résultat. Il cause avec le camarade plantaire, il applique telles affaires dans telle culture, ça fait un rendement extraordinaire. Il fait pareil aussi, peut-être dans l'autre culture, qui est différent, qui a un autre effet. Donc, cet aspect de formation, de sensibilisation, je pense qu'il est important. Il y a aussi une autre question que je pense. Oui, fini de commencer, comment on fait au PQ, nous, planter nous, directement nous, dans différentes régions. Tout à fait. Et là, ben, comme dire, nous faisons un plan de formation qui nous vient à touche à planter. Et là, au niveau de Farid, notre organisme en session de formation. Mm-hmm. Et ça aussi, je fais dire qu'il nous faut besoin de nous, parce que nous appelons autres vignes dans nous, local, pour gagner sa formation là. Et bien souvent, un planter, on connaît, vous êtes l'autre terrain, vous êtes besoin, occupe votre carreau. Je ne suis pas capable de rendre disponible pour faire ce déplacement-là. Donc, on peut demander aussi qu'ils nous aillent vers les planteurs pour capable expliquer et faire comprendre quelle manière bien être plus raisonnable dans les pratiques culturelles. Parfois, quand on cause des délais pour récolte, il y en a planté, dire comme ça, je paye attention au monde passer qu'aucun de récolte. Là, des fois, je te récolte les avant le délai prescrit. Bon, ça c'est une mesure pratique qui se peut bien mettre en place pour capable assurer qui paye dans le vol. Mais bien sûr, au niveau de l'autorité aussi, vous avez un système de patrouille peut-être. Et il y a un autre sujet peut-être libre aussi qui nous fait ressortir, qui bien souvent nous trouve sur le marché et dans un produit qui n'est pas un produit fake, un produit peut-être là, quand on guette le compte dans la boîte, dans le container qu'il trouvait, il y a une telle élément qui trouve dans ce produit-là, mais en fait, il est tout à fait faux, et qui donc, même planté, peut-être parce que le prix, il paraît plus intéressant, je t'achète ça, je t'applique-le dans notre plantation, et il n'y a pas de résultat qui est bien, il n'est pas effectif, donc tout ça fait qu'en même temps, il avait perdu l'argent, et de l'autre côté, il avait perdu aussi notre récolte. Donc ça aussi, c'est une campagne de formation qui peut aider à allons dire, enlève ça, ça risque qu'il se prend un produit, qu'il part un produit qui vraiment amène l'efficacité pour la plantation. Au niveau du ministère, d'une équipe qui travaille, ils m'ont pensé la semaine dernière de fin de semaine, et pour venir avec certaines regulations, pour capable renforcer un petit peu le contrôle des entrées de différents types de pesticides qui sont capables d'être acceptés sur notre territoire. L'objectif, c'est produire un produit local naturel et de très bonne qualité. Ministère de l'Agro-Industrie fin récemment travaille avec Mauritius Standards Bureau afin qu'il y établisse un label bio de niveau 1. Comme dans le marché ici, et donc on peut prévoir et ben, analyse aussi un échantillon pour vérifier le taux de produits chimiques de sa vente des légumes. Justement, pour quand on demande un consommateur, aller vers un produit, plus sain. Ben, il besoin d'un label. Alors, pour énerver ce label-là, il besoin d'une certification. Donc, c'est là que nous travaillons. Là, c'est ce qu'on appelle un standard qui nous besoin énorme dans la production pour que quand le produit vienne sur le marché, il vienne un produit qui est dans ce label de bio, de qualité. C'est là que au niveau du ministère, nous avons un exercice d'échantillonnage qui nous prend au champ et aussi dans les supermarchés, dans les points de vente, que nous sommes capables d'envoyer ce produit-là au laboratoire du gouvernement, du ministère, pour être analysé. Nous avons déjà une série de produits qui nous ont analysés au niveau du Food Tech Lab du ministère, que bien sûr pour détermine ce taux de résidus, de pesticides, si dit a un taux qui est acceptable ou pas. Et là, si vous trouvez inacceptable, là où à partir du moment qu'il nous gagne un résultat là, donc bien sûr, dans une situation où le taux dépasse la norme, le niveau acceptable, bien sûr, il retourne vers un planteur là, pour expliquer ça, faire comprendre que donc ce taux d'utilisation dépasse la norme, donc il y a une mesure corrective à prendre pour qui
justement, soit un produit là, il paraît rentrer au marché pour être consommé. Nous, au niveau du gouvernement, nous faisons embarquer nous d'un projet de qui d'ici 5 ans, nous capables d'augmenter nos productions agricoles, faire de la pratique organique jusqu'à 50%. Il y a un projet très ambitieux, mais qu'on vient de commencer quelque part pour capable assurer qui demain nous ayons une quantité suffisante pour les consommateurs capables d'avoir un produit pareil sur le marché pour le cas consommer. D'ailleurs, au niveau du gouvernement, nous pouvons venir avec une mesure incitative, hein, comme le Biodevelopment Certificate, qui ça vous permet justement tout ban qui pourra embarquer dans sa nouvelle pratique agricole-là, de pouvoir bénéficier de certaines mesures fiscales. Donc, comme espéré, donc tout ça, c'est une mesure qui peut aider à ce qui nous arrive justement à produire un produit de qualité, un produit sain à la consommation, un produit qui me pensait aider pour aussi aider à la conservation de l'environnement et préserver nos biodiversités. Toujours en vue, produire davantage de produits bio et organiques, man l'autorité puis envier augmente cette proximité avec communauté man planteur. L'État peut aussi mettre davantage de terres exclusivement réservées à la production bio à la disposition man planteur. Du fait que ça des reportages là, et n'a servi bouche de vache, et n'a pu faire des faux, puis servi moins produits chimiques. Alors, en résumé, c'est quoi les bonnes pratiques? Il n'y a une seule solution qui existait. Il y a une multitude de solutions, mettre un à côté l'autre. Quand nous va diminuer ban traitement préventif, il y a une possibilité. Quand nous pouvons mettre ban fleurs qui pour amener ban coccinelles et ban araignées, ban espèces hautes, il y a une solution. Mais nous aussi capable de dire que si nous besoin utilise ban produits chimiques, faut de nous utiliser les de manière intelligente. Quand on a un dosage qui est inscrit dans la boîte là, nous besoin respecter sa ban dosage là. Respectez-le parce que nous faisons l'étude qui démontrait que ce dosage-là est juste le dosage nécessaire pour qu'il soit capable de lutter contre l'espèce nuisible qui nous pérodait. Après, nous devons aussi respecter délai. Délai lié important en deux dosages, mais aussi délai lié important avant de récolter le produit. Dans l'étude, quand nous causons avec 300 agriculteurs-là, ils ont dit que 61% des agriculteurs ont dit qu'ils respectaient le délai avant récolte, avant de mettre ce produit-là, l'eau donne libre aux consommateurs. Mais apparemment, ils ont implanté, ils ont dit que le pays voulait passer. Et s'il ne peut pas arrêter, le pays voulait passer, je préfère faire récolte là avant. Mais là, il y a aussi un problème qui est capable d'exister. Nous pouvons dire qu'il y a une responsabilisation plantaire. Si les carreaux propices pour gagner le voleur, ils ont protégé les carreaux. Tout ça là, l'ivine l'encadrement spécial ban agriculteur. Ban agriculteur qui peut enregistrer, nous pour connaît quand notre carreau était, nous pour connaît qui ban produit notre pémété, nous pour connaît à l'avance qui quantité légumes notre pour mettre au marché. Tout ça là, lien tout global quand nous capable comprendre plus ce qui peut arriver au terrain, nous capable mettre en place ban plan d'action pour nous arriver à résoudre ce problème. Alors, donc, nous payons l'avenir et nous avons un projet pilote dans l'éducation, formation pour adopter les bonnes pratiques. Alors, nous avons un projet pilote et nous avons une ferme pilote. Explique-nous ça. Quand nous faisons l'enquête, deuxième option de planteuse, c'est de dire que nous devons comprendre le terrain, quelle bonne solution on peut proposer. Nous ne sommes pas capables d'adopter ce qu'on peut dire. Comme ça, nous devons comprendre ce qui peut arriver au terrain. Ça même, nous décidons de mettre une ferme pilote. Une ferme pilote pour une volontaire qui pour dans ce programme-là, et pour mettre en place toutes ces recommandations qui nous consultons pour dire aux autres faire. Capable, certaines recommandations, ils peuvent marcher tout de suite, d'autres plus difficiles. Donc, nous devons démontrer qu'ils sont capables de changer de pratique culturelle, nous capables de sortir depuis l'agriculture traditionnelle, côté n'a beaucoup de produits chimiques, venir vers l'agriculture, côté nous pour réduire, nous pour plus conscients ce qui nous permet l'urban légumes, nous pour un légume plus sain. Donc, nous pour démontrer qu'ils nous pour arriver à une production qui pour arriver avec un coût qui est raisonnable et qui pour satisfaire les besoins consommateurs. L'osaban ferme pilote là, pour une possibilité de venir visiter, nous pour faire un suivi économique, donc pour une démonstration
qui est capable, qui nous capable de changer. Quand on peut commencer ce manifeste pilote-là? Nous pensons commencer le plus rapidement possible parce que nous, dans un momentum, nous avons dit qu'il y a un consommateur et une bonne solution. La solution-là n'est pas pour venir du jour au lendemain. Il y a un planteur aussi peut demander qui nous capable de faire. Bizarre qu'on prend l'agriculture, une plante. Il ne pousse pas en un jour, il prend 6 mois pour pousser, il prend 3 mois, ben plante, ben piment, il besoin 8 mois, 6 mois. Donc tout ça là, il prend le temps. Il y a le temps, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a le cyclone. Donc tout ça, ben facteur là, fait qu'il nous besoin faire une démonstration lors d'une période au moins 2 ans avant qu'il nous capable d'arriver à un résultat concret. Entre temps, il y a une petite solution qui est capable d'adopter vite, vite. Si nous enlève ça, ben spraying préventif là, nous pouvons diminuer, nous penser, environ 20% déjà l'utilisation de produits chimiques lors de plantation. Déjà, là, nous faisons une première étape, prévention, on est capable de faire du jour au lendemain. Mais seulement planter, il est conscient, il comprend qui fait, il est diminuer sur l'utilisation de produits chimiques. Il est volontaire pour rentrer dans ce programme-là. Alors, le mot de la fin, Jacqueline Sogier, une fine couche donc, toute une mentalité, toute une mindset à changer et un travail de longue haleine. Et le mot de la fin, quand nous peut arriver agriculture raisonnée pour gagner des produits sains et produits frais. Aujourd'hui, nos bisins changent nos manières de produire. Nous peinons l'autre solution. Et la COP21 qui nous a signé, nous avons un problème gaz à effet de serre, nous avons l'environnement qui peut détruire. Donc, nos bisins changent nos manières de produire. Et nous avons des consommateurs aussi qui ont dit qu'ils plus connectés, ils ont trouvé l'Internet qui l'information est là. Donc, nos bisins nous-mêmes répondent à ce besoin consommateur-là. Il y a un travail qui peut prendre le temps, il y a un travail qui peut être un travail collaboratif entre ben producteur, ben consommateur, ben dimoun qui fait faire la loi, ben l'autorité. Donc il y a un travail tout dimoun bizarre, maille ensemble et nous pouvons arriver dans un avenir plus serein. Merci Jacqueline Sogier. Merci.